Et salut tout le monde, c'est une nouvelle vidéo sur Skyforge, la génération 2. J'ai envie de solo un petit peu de Red Ophelia, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais déjà prendre un prototype de combat, on va prendre celui-là pour les critiques, ça va être pas mal. Et on va se transformer bien sûr en dieu. Et donc c'est parti, on va voir ça. Ils ont autant de vie que moi. Ouais, ça veut rien dire, donc... Bon, pour l'instant, ça va. Déjà, j'arrive déjà à avancer. C'est donc bon signe. On va voir si la raid est un petit peu long à faire, vu que j'ai mis un petit peu de temps à les tuer, là, il semblerait. On va aller se mettre là-bas, là, quand même, pour faire l'attaque triangle. Ça devrait faire le ménage, je pense. Allez, le boss. Faut vite que je lui baisse sa vie, son bouclier surtout, je veux dire. Dans une minute, je peux refaire mon attaque ultime. Ok, là, il se bat. Hop. Je pense que je vais le garder l'ultime, vu qu'il est presque mort.
Il va sauter là. Et voilà, un mec en moins déjà. Est-ce que j'ai mieux? Non, j'ai pas mieux, semblerait. Hop. Je fais le ménage pour être sûr qu'il n'y a pas de saloperie qui va nous embêter. Oula, il y a du monde. Ah, le bâton est très pratique, c'est clair. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boules de foudre après, parce que sinon je dois en détruire quelques-unes. Ça risque de poser problème, quoi.
Allez, on refait l'ultime. En même temps, c'est un raid de x10 normalement. Je pense pas que c'est trop prévu quand même. Elle va être détruite. Il y en a une en moins déjà. Allez, elle va crever. Et voilà. Le combat est un petit peu long, mais au moins on l'a eu. Une topaze de vie, je passe de vert à violet, donc normalement on va être pas mal. 3,40. Ouais, impeccable. Allez, on va continuer. Lui, c'était le pire, hein, je crois. Je crois que c'était le plus chiant comme boss. Les autres seront plus cool à tuer, je pense. Hein. Il me reste 23 minutes de transformation, on est bon, donc plutôt content. Encore face à un mec qui saute. Ils ont quand même perdu pas mal de vie quand même. Ils ont quand même beaucoup de vie, hein. 195 millions quand même par mob, c'est quand même pas mal là. Franchement, je pensais pas pouvoir y avancer en solo sur la génération 2. Je pensais que ça allait pas être possible. Finalement, ouais, c'est possible. Hein. Mais je pensais vraiment que ça allait être trop dur, même en dieu et tout. Mais dieu du voyage, etc., c'est quand même vachement plutôt impressionnant. Hein. C'est clair. On va tout lui renvoyer.
Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il récupérait de la vie, pas trop compris comment. Ah si, ouais, si, c'est avec ses lames. J'ai pas vu qu'il faisait ses lames. Ouais, c'est vrai que lui, il draine la vie. Il va être loin, tu vois. On peut recommencer avec ses lames. Hein. Cette fois-ci, on reste pas au corps à corps. Hein. Ouf, il s'est pas régène. Là, on est bon. Hein. Franchement, là, on est bien. Est-ce qu'il serait jeune même s'il tape un bouclier? J'aimerais bien savoir. Ouais, il serait jeune quand même. Ok. Bah du coup, faut vraiment pas se faire toucher. Bientôt l'ultime de up. En fait, ça doit être horrible hein. S'il touche une dizaine de cibles à chaque fois, il doit être full life à chaque fois. Ça doit pas être évident. Hein. Allez, il recommence les ténèbres. Donc, au début, il est lent, et après, vous avez vu comme il speed. Hein. Regardez. Là où la roulade du flingueur est quand même vachement pratique. Super, hein, franchement, j'ai pas touché une fois. Ah, ça marche pas très bien ce truc-là. Hein. Je pensais que ça allait quand même toucher même la cible qui bouge, mais simplement ça a pas bien marché. Je suis un peu déçu là. Il va crever. Allez, c'est la fin. Et ben voilà. Allez, on continue. In process.
envoyer les dégâts. J'ai perdu pas mal de vie là quand même. Hein. Je sais pas quel meuf fait le plus mal, mais il y en a un là-dedans là. Il fait mal en tout cas. On arrive à la fin. Reste costaud, hein. Plus dans un escalier, c'est vraiment pas évident à se battre. Hein. Je vais redescendre en bas, je crois. Ce sera plus simple. Il y en a déjà un qui va crever déjà. Plus qu'un. Voilà. Bien, bien, bien. On va passer l'humancien. On va attendre un petit peu que les classes se régénèrent. Je vais directement faire mon ultime et je vais passer. Ah merde! Ça c'est chiant qu'on peut ça a activé ce truc là. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais burst. On va déjà commencer avec le bâton du coup. Merde, je me suis gouré. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Enemy demoralized. Ça n'a pas duré super longtemps, mais je pense que ça a déjà fait de bons dégâts quand même. Il suffit de tuer les deux gars et on sera bon. Allez, tu meurs toi. Plus qu'un maintenant. Vivement qu'on commence à taper le boss pour de vrai parce que là
Il n'y a aucune orbe de vie en plus qui pop là, donc c'est un peu naze. Oh, il a plus de vie là. Ah, normalement là, il va mort. C'est bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Lui au moins les orbes de soins il en balance, donc là on est bien. Mais les autres tout à l'heure ils balançaient aucune orbe de soins, je commence à avoir un petit peu peur. Par contre là le boss il fait pitié là. Je vois pas trop ce qu'il fait de... Comme dans danger, que je dis, il fait que dalle. Ça a pas l'air bien... De toute façon, en cas de soucis, hein, je passe à le chimiste et on est mortel. Hein, aussi. C'est ça l'avantage de pouvoir changer de classe. Hein. Le chimiste, c'est la classe. C'est vraiment une classe invincible, hein, le chimiste. Hein, c'est... Là, je vais refaire mon ultime. Je pense qu'il va être up là. Là, on est bon. Ça fait mal son attaque là qu'il fait à chaque fois. Quand il balance les éclairs avec ses mains. Je pense que c'est vers la fin il fait un peu mal. Ouais, mais c'est normal en même temps. C'est pour faire genre. Et voilà les amis. Je l'ai solo, donc très content vraiment. On va équiper le matos qu'on a peut-être obtenu. 374. Ouais, c'est quand même mieux. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Ophélia terminée. Je suis très content. Hop. Donc c'est un petit peu long. Hein. C'est quand même un petit peu long, effectivement, mais... 32 minutes. Hein. 32 minutes, la vidéo va être longue. Hein. Oh là là, je suis désolé. Mais ça prend le temps qu'il faut. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc vous savez que je reviens sur Skyforge de temps en temps quand il y a les mises à jour, hein, que les donjons sont débloqués, etc. Donc là voilà, du coup ça s'est débloqué, du coup je suis revenu pour voir si je pouvais continuer à y tomber en mode peinard, en mode dieu. Hein. Et ben oui, donc impeccable, impeccable. Donc voilà les amis, écoutez je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Skyforge ou d'autres jeux, il y a Fortnite aussi c'est sur la chaîne, hein. Il y aura aussi du FF14 je pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager autour de vous comme d'habitude, à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et puis laissez des petits commentaires, je vous répondrai comme toujours. Et passez une très bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Allez, ciao ciao les amis.